Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Et là tu sens sur la femme. Et les conversations sur signal. La longueur des montants, elle est là. C'est la pointe à la rafale sous son décès. Mes amants, j'ai complètement oublié de vous snapper mes cils. Ils sont trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Ouais, j'ai un bouton. Ouais, la vie elle est pas. Elle est pas folle quoi. Mes cheveux, faut que je les lave. Un bouton. Bon, les sourcils ça pousse. Hein. Donc mes cils, je suis trop contente. Je voulais pas taguer, je suis une ouf. Alors qu'en plus, j'ai trop kiffé la pose. Elles sont trop beaux. Donc c'est Fafa, comme d'hab. Je vous mets son snap, elle est trop forte. Elle est entre Paris et Dubaï. Elle donne aussi des formations, elle est top. Donc ajoutez-la. Et franchement, elle forme trop bien. Et elle fait trop bien les cils, vraiment. Il me reste juste encore à détatouer. Encore ici et ici. Et la queue... Là, j'ai bientôt rendez-vous pour retirer encore. J'espère que j'aurai besoin encore peu de séances. Parce que franchement, ça me saoule. Et au moins, je suis tranquille. Parce que là, c'est que dans des zones où il n'y a pas beaucoup de poils. Ça, j'ai juste à baisser les poils. Et on va me détatouer la queue. Il n'y a pas de poils dessus. Parce que la queue, elle est tellement haute que les poils ne poussent pas dessus. Donc en fait, moi, mes poils, ils poussent plus vers en bas. Et ici, encore et encore, mes cheveux graissent au bout de 2 jours. C'est insupportable, vraiment. C'est insupportable. Donc, ça veut dire que même que je mets du shampoing sec, ça fonctionne dans la soirée et tout. Il n'y a pas de problème. Les cheveux sont moins gras et tout. Mais je ne vais pas en mettre tous les jours du shampoing sec. C'est relou. En plus, tes cheveux brillent beaucoup moins quand tu mets du shampoing sec. Et moi, quand ils graissent partout. Genre, ils ne graissent pas que devant. Donc, c'est horrible, vraiment. Regardez, ça fait 3 jours. J'ai fait mon brushing 3 jours. S'il vous plaît, je fais quoi avec? Je fais quoi avec? Quand je mets ma crème hydratante, je mets mon serre-tête. Je comprends pas. Je comprends pas. Et du coup, bah, la raison pour laquelle mes cheveux poussent vite, c'est parce qu'ils graissent super vite. Voilà, donc plus tes cheveux graissent, plus ils poussent. Mais bon, moi, c'est super relou de les laver tous les 2 jours. C'est super relou. Vraiment, regardez, ça fait 3 jours, je vous en supplie. 3 jours, mes cheveux sont gras. On dirait, je sais pas, j'ai fait cauchemar en cuisine. La vie de ma mère. Bon, j'ai toute cette skincare, mais je ne l'utilise pas à 100%. En ce moment, je mets celui-là. Ça va. Normalement, il y a au moins quelques semaines d'attente. La crème Augustinus Bader, elle est bien. Mais en ce moment, je mets celle-là. Suspense. Voilà. Suspense, suspense. Je mets celle-là. Voilà. Anti-âge. Ce masque, il est génial. Dream Skin. Il est top. Vraiment, mais c'est que sur l'instant T. Genre, après, tu te make-up, t'as un make-up de fou. Celui-là, faut que je le rachète. Celui-là, j'ai vraiment kiffé. C'est la vitamine C. Ça, j'aime trop. On l'a offert, j'aime trop. Celui-là, en ce moment, je l'utilise pas, mais il est vraiment bien. C'est le sérum Charlotte Tilbury avant de te maquiller. Ça, c'est bien, Essou. Ça, c'est bien pour les boutons. Ça, c'est vraiment top. Cicaplast, c'est bien. En plus, il y a de la protection solaire. Quoi d'autre? Ça, c'est de Hollywood, j'adore. Le Dior aussi, je l'adore. Celui-là, c'est un highlighter de chez Rare Beauty, j'aime beaucoup. Et ça, c'est comme un illuminé Timur by Terry. Il est vraiment bien. Donc voilà, je vous montre un peu. J'ai commandé des pinceaux, ça arrive fort. Cette huile de chez Jisoo, bon, elle grasse un peu les cheveux, mais elle est top. Genre, ça t'enlève vraiment toutes les odeurs, je sais pas, par exemple, de la cigarette ou quoi que ce soit, de la pollution et tout, c'est top. Cette huile, je l'adore, de Augustinus Bader, elle resserre les pores, je l'aime trop. Mais des fois, je fais des pauses, genre, en ce moment, j'utilise ça, et un peu de cicaplast et un peu de cicalfate. Après celui-là, je l'utilisais vite fait. Je sais pas. Faut que je l'utilise bien comme il faut. Peut-être. Faut pas qu'il y ait trop de crème sur ma peau, peut-être. Parce que moi, en fait, j'ai une peau à boutons.